va, Laetitia? Oui, je suis dans mon pony club. Bah oui, c'est, bah oui, c'est parce que tu vas répondre dans un instant à une question cheval. Mais avant ça, on voulait te montrer une petite vidéo de Didier qui nous a envoyé une vidéo là à l'instant de son chien en train de regarder ta chronique. Non, le chien est d'aveugle, donc on la découvre, regarde comme c'est mignon. Là, il est complètement absorbé. Esbody devant ses chiens. Comment s'appelle ce petit chien? Je ne sais pas s'il a envoyé le nom du chien, mais. Médor. Continuez à envoyer le nom du chien. Ah, Didier, c'était peut-être le nom du chien. Mais envoyez-nous vos photos, vos vidéos de chiens qui nous regardent, c'est très mignon et on va continuer à les passer. Et d'ailleurs, on a reçu une autre photo également de Djambé, le chien, je crois, photo de Caroline et Djambé qui est lui, je crois, chien guide d'aveugle et qui était bien content qu'on parle de lui pendant ta chronique aujourd'hui. Très fier. Magnifique. Bon, la première question, elle est pour toi. Et Lucie Rémy s'est rendue chez Sandrine à Plessis-des-Fossés, c'est dans l'Ille-et-Vilaine. On regarde. Sandrine s'inquiète pour la santé de son cheval Natch. Tous les étés, il souffre de dermite, une vilaine irritation de la peau. Natch est un cheval habituellement en pleine forme, même si Sandrine a eu une petite surprise juste après en avoir fait l'acquisition. Quand l'ancien propriétaire me l'a vendu, la crinière était coupée. Donc je l'ai eu au mois d'octobre. Il s'avère que dès l'été d'après, il commençait à se gratter. Et les beaux jours ne réussissent pas à tout le monde. Dès les premiers rayons du soleil, des attaques de mouches ont lieu et rapidement, des plaques arrivent. Aïe, aïe, aïe. Cette année, on a eu un épisode très très chaud, donc les mouches sont arrivées très vite. Donc dès le mois d'avril, sur toute la longueur, il a eu la dermite qui a bien progressé. La crinière était toute abîmée, toute râpée parce qu'il essaye de se frotter. Ainsi que sur la croupe et le haut de la queue qui était bien abîmé. Sandrine a déjà essayé de nombreux traitements, mais tous les étés, rebelote. J'ai essayé une année de faire du Cavalès. C'est un traitement que le vétérinaire m'avait proposé et le résultat n'a pas été concluant. J'ai aussi essayé comme produit du cidre mélangé avec de l'eau sur la crinière et il s'avère que ça les fait disparaître un petit peu, mais ça récidive tout de suite après, quoi. Médicaments et remèdes de grand-mère n'ont pas marché et Sandrine n'envisage pas une seule seconde de mettre Natch sous une couverture en plein soleil pour empêcher les mouches d'attaquer. Alors, elle cherche le remède miracle, naturel et efficace bien sûr. Salut Laetitia, voilà, Natch a été embêté tout l'été avec une dermite fulgurante et j'aurais voulu savoir comment le traiter de façon naturelle. Alors Laetitia, qu'est-ce qu'elle peut faire Sandrine? Si j'avais la solution efficace, naturelle et vraiment, je ferais fortune. Ah. Parce que là, bon, c'est vraiment Laetitia, un salut. Grand problème pour les chevaux. Alors, la prochaine question, elle est pour Gérard. C'est ce qu'on lui appelle... a fait fortune. Regardez, il fait du bruit celui-là. Parce que je suis un cheval sur le principe. Et écoutez, écoutez, écoutez. Ouais. Non. Ouais. Ah ouais. Voilà. On voit que Maya est dans les layettes. Oui, c'est ça. Je ne jamais ça à ton fils parce que après tu l'entends tout le temps, toute la journée, la nuit. Voilà, on attend la réponse. Parce que ce cheval, c'est une dermite estivale récidivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire estivale, bien sûr, que c'est pendant l'été. Récidivante chaque année. Et ça se calme en hiver. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a acheté son cheval en hiver, parce que son cheval était impeccable en hiver. Oui. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si c'est pas du dol ou vis caché. Oui. Voilà. Et oui. Ah, ça marche pour les animaux, les vis cachés? Bien sûr. Bien sûr. Ça marche pour les hommes, les vis cachés? Non, et pour les femmes. Et donc, cette dermite ou dermatite est due à des piqûres de petits moucherons. Qui pompe le sang du chien. C'est un peu comme les piqûres de puces. En fin de compte, le cheval est allergique à la salive de ces petits insectes qui piquent surtout quand il fait bien chaud, en fin d'après-midi. Donc c'est pour ça qu'il faut normalement rentrer son cheval après 17 heures au box. Ils n'aiment pas l'ombre, ces petits insectes, donc ils ne piquent pas dans l'ombre. Donc il faut un abri aussi dans la prairie. Il faut éviter les eaux stagnantes, les petites mares et tout, où vont se reproduire ces petits insectes. Et alors, qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'autre? Alors moi, je lui proposerais une supplémentation en vitamine B. Ah bon? Qu'il faut donner avant la période qui est le printemps, avant l'été, parce que la vitamine B renforce les défenses immunitaires au niveau de la peau. Et ça, c'est prouvé chez le cheval. D'accord. Ensuite, en répulsif naturel, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai une cliente qui m'avait parlé de l'huile de foie de morue. Alors, ça marche super bien, sauf qu'on ne peut plus approcher le cheval parce qu'il pue. C'est vrai? Oui. L'huile de foie de morue, c'est une horreur.
Donc moi, je suis quand même beaucoup de choses. Ça sent la morue, quoi. Voilà, ça sent la morue. Faut aimer la morue. Et il faut en mettre tous les jours. Alors, le cidre, non, mais le vinaigre de cidre, oui, ça peut marcher. Ah oui, dilué dans de l'eau, à mettre sur le poil directement. Le poil directement, tous les jours. Sinon, il existe aussi du lait avec des huiles essentielles de géranium, de lavande. Et même de citronnelle, que l'on met aussi sur le cheval et qui D'accord. est un répulsif naturel. Et sinon, dernière chose, vous pouvez essayer la désensibilisation, comme chez nous, quand on est allergique, c'est une allergie. Ça peut marcher. Ça met un peu de temps. Hein. Très bien. Voilà. Gérard, le prochain cas pratique est pour toi. On est en ligne avec Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Maya. Quelle est votre question ? Alors, l'agence qui avait un mandat de gestion pour trouver des locataires pour notre appartement a fait signer dans notre dos un bail de 3 ans qui a débuté le 20, donc hier, alors qu'elle connaissait notre projet de vente et que j'ai trouvé un acquéreur potentiel qui le veut vide. Pouvons-nous casser le bail, sachant que nous avons vraiment besoin de le vendre? J'ai une question. Est-ce que votre agent avait un mandat spécial qui lui permettait de signer le bail? Parce qu'il y a les mandats généraux d'administrer pour encaisser le loyer, faire les travaux, et il y a des mandats particuliers de gestion locative pour signer le bail, trouver le locataire à votre place. Est-ce que c'est le cas? C'était le cas, mais c'est une société qui a racheté une autre société. Ah oui, mais ça peu importe. Le contrat que vous signez avec une société, c'est vrai dans tous les domaines, se transfère à la société qui prend sa suite, ce qui veut dire qu'ils avaient le droit de faire signer un bail et que le fait que vous ayez mis en vente ne leur interdisait pas de signer un bail puisqu'on a le droit de vendre un appartement loué. Il aurait fallu que vous leur fassiez un mail ou une lettre leur disant que vous ne vouliez plus de locataire parce que vous vouliez vendre vide pour qu'ils ne louent pas. Ils ont ce qu'on appelle un mandat. Ils vous représentent. Donc vis-à-vis du locataire, lui, c'est comme si vous aviez signé. Ils ont signé en vertu d'un mandat. Ils avaient le droit de signer votre place. Il n'y a rien à faire pour les 3 ans qui viennent, si ce n'est donner congé au bout des 3 ans pour vendre. Oh là là. Bon, je suis désolé. Je vous remercie, Gérard. Non, mais j'aurais préféré trouver autre chose. Mais vraiment, la loi, c'est les mathématiques. Non. Bah, désolé, Guy. Merci. On s'en reparle dans 3 ans, Guy. Bonne journée à vous. Bon courage. La prochaine question, elle est pour toi, Mélanie. C'est Cyril qui te la pose de Pont-Saint-Maxence. Je voudrais consommer du gaz propre, comme je l'ai fait pour mon abonnement d'électricité d'origine renouvelable. Est-ce qu'il y a des fournisseurs de gaz vert? Alors, le gaz vert, d'abord, je rappelle ce que c'est du biogaz qui est issu de la fermentation de déchets agricoles et ménagers. Ça existe, mais en toute petite quantité. Et donc... Je te vois rigoler à ma droite. Écoute, ce que je dis, c'est très intéressant. Parce que c'est très drôle. Mais non, ce n'est pas drôle, c'est la vérité. Alors, donc, arrête de montrer Gérard, c'est désagréable. C'est la fermentation, c'est ça qui t'a fait rire. Alors donc, ça existe, mais pas pour les consommateurs lambda. La seule chose qu'on peut faire si on veut consommer du gaz vert, c'est de s'abonner à des abonnements gaz compensés carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon votre consommation de gaz naturel basique, en fonction des émissions de CO2 que vous faites, il y aura une partie qui sera un investissement un peu partout dans le monde de projets de réduction de gaz à effet de serre. Ah voilà, oui. Donc c'est des abonnements qui sont donc plus chers puisque vous avez une partie qui est investie dans des projets de réduction de CO2. Il y a deux groupes qui proposent ces abonnements gaz compensés carbone. Eni et Engie, qui est donc le nouveau nom de GDF Suez. Donc c'est le même gaz que tout le monde, mais en échange, on plante des arbres à l'autre bout du monde. Et du coup, c'est... Voilà. Pour l'instant, il n'y a que ça. Très bien. Merci beaucoup, les amis. Si vous aussi, vous avez des cas pratiques pour nos spécialistes, rendez-vous sur la plateforme de La Quotidienne, france5.fr. Ils y répondent. On n'a pas quand même le temps d'une petite question. Une dernière rapide pour Fabien. Pour Fabien. Parce qu'il est chafouin. Oh, il était content. J'ai branché mon micro. Il était ravi. Ça portait rien. Allez, rapidement. J'ai mis mon appartement en location touristique sur Airbnb. Répète la question. Vite. J'ai mis mon appartement en location sur Airbnb. Des voyageurs ont dégradé le parquet au sol de mon salon. Mon assureur refuse de me rembourser au motif que je ne l'ai pas informé que je mettais le logement en location touristique. Est-ce qu'il en a le droit? Oui, il en a le droit. Vous savez, dans la multirisque habitation, il n'y a pas d'assurance dégradation. L'assureur, il ne voulait pas simplement qu'il le prévienne. Il voulait qu'il souscrive une option assurance dégradation en plus, et puis c'est tout. Donc ça n'a pas été fait, c'est comme ça. Mais il faut qu'il se tourne, y compris chez Airbnb, j'ai combien de temps ? 20 secondes. Y compris chez Airbnb, le locataire qui est venu, il a une assurance responsabilité civile, dite villégiature. C'est vers lui qu'il faut qu'il se tourne. Et s'il y a un problème parce qu'il vit aux Amériques, tout ça, etc., il peut se tourner aussi vers Airbnb qui a une garantie qui s'appelle la garantie haute
qui reste valable jusqu'à 700 000 euros de dégradation. Ça ne marche qu'à une condition, c'est que ça soit le dernier recours. Autrement dit, qu'on ait déjà été voir le locataire pour essayer de se faire rembourser par lui. Et en dernier recours, on va là-dessus. Puis d'une manière générale, quand on va chez Airbnb ou autre chose, on demande... Ça devient Airbnb. Airbnb. Musée. Allez, musée, les gars. Eh bien, on demande, c'est permis et c'est gratuit par Airbnb, une caution, un dépôt de garantie de 100 à 5000 euros, même si on veut, ça se fait. Comme ça, on n'a plus de soucis, on prend des photos, état des lieux, c'est réglé. Bon, merci beaucoup.